Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Laurie Tillman et Juan Arbelay adorent se taquiner sur les réseaux sociaux, cependant. Il arrive aussi qu'ils se fassent de très belles déclaraties. C'est les vacances pour Laurie Tillman et Juan Arbelay, depuis quelques jours. Ils se trouvent au Pays Basque et profitent de la nature avec un couple d'amis bien connus. Jérémy Frérot et leur Manodou. Ainsi, on a pu découvrir de savoureux moments de leurs vacances, des parties de pétanque, du surf, mais aussi des moments plus étranges, comme par exemple, Juan Arbelay et Jérémy Frérot jouant un remake de Titanic. Le couple formé par l'ancienne Miss France et le chef cuisinier est connu pour être un couple de trublions. Ainsi, leurs fans sur les réseaux sociaux sont habitués à ce genre de blagues, à la dernière Saint-Valentin. Laurie Tillman avait déclaré sa flamme à son chéri avec un cadeau empoisonné, elle a publié des photos de lui enfant sur Instagram. Des dossiers qui avaient beaucoup fait rire ses fans. Mais le couple sait aussi se montrer romantique quand il le veut. Même si leur séjour avec leurs amis est terminé, Laurie Tillman et Juan Arbelay sont toujours à la campagne. Dans la famille de la reine de beauté. Ils en profitent ainsi pour se ressourcer, ce samedi 17 juillet 2021. On a pu voir dans sa story Instagram le chef cuisinier faire mijoter un très grand plat de paella pour toute la famille. La tribu s'est ensuite installée à l'extérieur pour un déjeuner en nature. Et la nature était de leur côté. Puisqu'un magnifique arc-en-ciel a fait son apparition dans les montagnes derrière eux. Ni une, ni deux, Juan Arbelay a dégainé son téléphone pour immortaliser le moment. La belle Laurie Tillman, en robe rayée multicolore, a ainsi pris la pose, et son compagnon a légendé avec poésie, deux arcs en ciel. De quoi créer de beaux souvenirs pour le couple.